Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Liker, partager, commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous les gars. Bon visionnage. Mouah. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 24 heures dans ma vie de maman. Ah, même maquiller mes yeux me fait toujours mal. J'ai pas dormi hier. Et ce matin, je voulais pas me réveiller. J'ai entendu mon réveil sonner, mais je l'ai éteint. On a failli être en retard. J'ai trop mal aux yeux. Un peu bref. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vlog. 24 heures dans ma vie de maman. Là, je venais de la crèche de mon fils. J'ai déjà déposé ma fille. Déposé comme si j'avais le permis. J'ai déjà ramené ma fille à l'école. J'ai ramené aussi mon fils. Là, je vais passer vite fait à Action. Et après, je vais aller à Lidl faire deux petites courses. Et on se retrouvera à la maison pour une journée de maman, quoi. Je vous prendrai toute la journée, je crois. 11h40, je vais aller chercher ma fille parce que ma fille, elle ne mange pas à la cantine cette année. Cette année, je vais dire pour le moment parce que je ne sais pas si d'ici là, je trouverai un boulot. Mais en tout cas, vu que je suis à la maison, j'ai décidé de ne pas l'inscrire à la cantine. Elle va manger à la maison. Ça lui permet d'avoir un peu de temps tous les deux, vu que son frère va être à la crèche. Et voilà, du coup, je vous ramène à Action. Je suis sortie d'Action. Je voulais acheter ça là pour faire des rangements sur l'armoire de mes enfants. Parce que mes enfants, ils ouvrent l'armoire, ils mettent les habits par terre et tout. Et ça me saoule. Du coup, j'ai acheté 4 comme ça. Je vais voir si j'ai besoin d'autres. Je viendrai pour prendre. Mais voilà, j'ai pris ça. 4, je vais ranger les vêtements des enfants dedans et voilà quoi. Je vais à Lidl, je vais laisser ça et je monte à Lidl, c'est à côté de chez moi. Voilà de retour. J'ai acheté pas mal de trucs hier. J'avais fait les courses, mais j'ai acheté vraiment tout ce qui est. Du jus, de la viande, poulet, etc. Pâtes. Et aujourd'hui, je suis allée acheter le reste. J'ai pris les yaourts pour les enfants. J'ai pris deux trucs. Voilà. J'ai pris ça aussi. Au frigo. J'ai pris ça aussi pour les enfants, les compotes. Je les mets là. J'ai pris les petits madeleines, ils aiment trop. Même si j'ai fait mes gâteaux fait maison, mais je prends quand même des petits trucs au cas où. On sait jamais. Et j'ai pris des œufs. J'ai pris du pain. J'ai pris 2 kilos de farine pour faire les petits gâteaux, parce que c'est fini là. De faire les gâteaux pour les enfants. J'ai pris du tournesol. J'ai pris deux sacs de frites. On peut le voir. J'ai pris aussi deux sacs de pommes de terre. J'ai oublié de prendre des oignons. On en a, mais pas assez. Prendre des oignons, de l'ail et de piment.
Et tout ça m'a revenu pour 44,30 centimes. Tout ça. Voilà, et du coup, le reste, j'avais un budget de 50 euros pour tout ça. Et le reste, je vais acheter l'ail et les oignons et le piment. Voilà. Je range tout ça. Et on va faire le ménage. Timidi ya Rabbana ya nere ya mwenye dao. Timidi ya Rabbana ya nirwalia nilo furahi nitojote shenwa. Tunda tamu nalitamani linajela kodeni ngamlilamo na ulitonza Kalituisa tamu Zouni vaze Habuna alimasi Aste aste Univaze sahare Tachi unikaze Unisise bangweni Wanite sheya Hanyo wazifunge wazibaze Wakari jani Ni walia walia Nduta hati nasimu Jumbo!
n'est pas vraiment un gros ménage comme vous pouvez le voir. C'est juste que hier soir, j'ai pas rangé mon salon. Alors que j'ai rangé mon salon avant de dormir, hier, j'ai pas fait. Et du coup, je le range ce matin. Mais c'est pas vraiment un gros ménage. Je range un peu mon appartement tous les soirs. Voilà! Ça fait du bien d'avoir une maison propre, bien rangée et tout. Là, je vais commencer le repassage. Ça fait du bien. En plus, il fait froid. Ça fait du bien. J'adore mon salon. J'adore tout. Ah. Voilà. Je vais ranger la chambre des enfants pour que je puisse commencer le repassage. Voilà. J'aimerais changer le rideau, mettre des rideaux d'automne, quoi. Mais je sais pas. On verra. En tout cas, j'aime trop le blanc et tout. Je sais pas. Je vais changer le rideau peut-être pour mettre des rideaux d'automne, pour changer, mettre un peu de la couleur. Mais sinon, j'adore comment elle est. Elle est bien, mon salon. Il est bien. J'aime bien. Voilà. Voilà. La chambre des enfants. J'ai déjà rangé. J'ai fait mon petit ménage ici. J'ai rangé. J'ai fait leur lit. C'est le riz de Mirchati. C'est là. Et l'autre, c'est Shamir. Là, c'est là où ils font leurs activités l'après-midi. Surtout quand le temps, elle est comme ça, là. Il fait froid, il pleut et tout. On sort pas. On est à la maison et du coup, pour ma paix, il faut que je les mette en activité. Là, c'est les vêtements qu'il faut que je repasse et tout cet après-midi parce que là, il est déjà 11h20. Il faut que j'aille chercher Mirchati. Donc, il vient manger, je vous ai dit, il mange ici. Comme ça, après l'école, quand je l'amène à 13h, je vais repasser tout ça. Je vais repasser, là c'est le petit bac que j'ai pris à Action, que je vais ranger leurs vêtements. Vous verrez cet après-midi quand je vais ranger dans leur armoire. Là je mets tout ce dont ils ont besoin, crème, parfum, doliprane, le crème pour le cheveu, crème de visage et d'aimé. Là il y a tout quoi. Leur truc physio là. Là, on a tout ce qui est pour mesurer la température et tout. Ça, c'est des seringues pour s'ils ont la grippe et tout. Ça, ce petit truc-là, c'est vraiment pour mettre tout ce dont ils ont besoin au quotidien. Voilà, voilà. Et après, je vais ranger leur armoire, comme je vous ai dit. Je vais ranger, mettre dans les bacs. Comme ça, ils ne vont pas tout mettre par terre. Voilà. Là, je mets leurs vêtements de Chioni pour le dimanche. Ils vont Chioni. Je mets un kandou pour Shamir. Ça, il y a le boui-boui pour Mirchati. Là, il y a le deux croissants. Il y a le tapis qui ramène au Chioni. Du coup, les autres étagères, c'est là où je range leurs vêtements. Ici, comme vous le savez, c'est pour le veste et tout. Voilà, là il y a un petit matelas que je mets par terre la nuit pour dormir avec eux parce qu'ils n'aiment pas dormir tout seul. Je reste là quelques heures le temps qu'ils dorment. Après, je vais dans ma chambre quoi. Voilà, je vais chercher ma fille. Je vous prendrai quand je vais faire le repassage. Et on est là. Mirchati, elle est là. Dis bonjour. 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 Ça va? Ah là là, elle est humide, ma fille. Bonjour. Elle est vraiment timide. Là, on va aller à la maison. Elle va manger. Et après, c'est l'école. Tu vas faire dodo à l'école? Oui. Oui? Dis au vlog, je vais faire dodo. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Avance. Tu vas ouvrir la porte? Oui. Allez. Elle va ouvrir la porte, ma fille. Elle est grande.
Bonjour. Ah, il est beau ton sac. C'est qui t'a acheté? C'est qui t'a acheté le sac? Ma paix. Oui, il y a la paix dedans. Oui. Ah. Il y a la paix dedans. C'est quoi? C'est la clé? Il fait froid? T'as froid? Oui, attends, si. Hmm? Tu as froid? Oui. Ça commence à changer là. C'est fini l'été. Le bébé est à l'école. Le bébé, il est à la crèche. Le bébé. Oui. Le bébé à la crèche. Et ceci. T'as des chaussures? Tu veux montrer? Ouh! Elle a des belles chaussures, Mershati. C'est qui t'a acheté? Tu montres? C'est qui t'a acheté les chaussures? On y va. J'ai eu un petit colis, je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai commandé des trucs pour m'envoyer ça. Alors que j'ai commandé. Pas beaucoup, mais pas dans un petit truc comme ça, quoi. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai commandé deux, trois, quatre trucs. On m'envoie ça. Ah. M'envoyer la robe. Hop. Elle est belle. Je vais essayer de la mettre et je viendrai vous montrer. C'est une robe que je vais mettre dans un mariage. On va voir. Je vais vous montrer. Elle est belle, hein? Il faut juste la repasser un petit peu. Il faut juste la repasser. Mais sinon, j'ai commandé une ceinture, mais elle n'est pas encore là. Et les chaussures. Et un sac qui va avec. J'aime bien la robe parce que, voyez, il monte jusque-là. Du coup, je peux faire un flare comme ça. Sans vraiment le hijab, quoi. Pose-toi, Mershati, s'il te plaît. Regardez, il faut la repasser. Je ne repasse pas mes habits, mais celle-là nécessite vraiment un vrai repassage. J'adore. Je croyais qu'elle allait être grande. Mais non. Voilà ma robe. Thank you.
Comme vous pouvez le voir, j'ai tout rangé, mais c'est pas fini. Il y a des abus sur les lits aussi, comme vous pouvez le voir, mais c'est déjà repassé. Ça, j'ai déjà repassé. Il y a mon kofiada que j'ai commencé au Comore. On arrive à la fin de cette vidéo. Là, je vais sortir récupérer les enfants à l'école, à la crèche. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo après l'école l'après-midi, quoi, parce que sinon la vidéo va être très longue. Si je voulais faire 24 heures, mais vraiment, ça va être très long parce qu'aujourd'hui, j'avais tellement de choses à faire. Et du coup, si je devais continuer après avoir cherché les enfants, à faire les activités de l'après-midi, donner le goûter, faire les activités, faire à manger, la douche, etc., etc., toute la routine qu'on fait l'après-midi, vraiment, la vidéo va être à 50 minutes et même plus. Donc, non, je ne vais pas faire des vidéos longues comme ça. Du coup, on va s'arrêter là. Il est déjà 16h là. Ouais. Il est déjà 16h10. Je vais prendre mon fils qui finit à 15. Après, passer l'école de ma fille, la prendre et rentrer à la maison, prendre le goûter, les activités. Mais la vie de maman, quoi. Ça continue. Ça s'arrête pas là, ça va continuer. Mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo prochainement, une après-midi chez moi, quoi. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous si ce n'est déjà pas fait. Likez, commentez, même des cœurs, peu importe, mais commentez au max, likez au max, partagez. J'ai pas arrêté de vous remercier, les anciens, les nouveaux. J'espère faire une vidéo FAQ pour mes nouveaux abonnés, mais aussi les anciens aussi qui ne me connaissent pas assez. Si on arrive aux 1000 abonnés, on fera une vidéo FAQ. Je vous mettrai une post sur la partie communication. La partie communauté là, et vous me posez toutes les questions qu'il faut, qui vous voulez. Je vous mettrai aussi mes différents réseaux sociaux, comme ça, si vous voulez, vous me poserez les questions là, et je répondrai avec plaisir. Je répondrai tout. Il n'y aura pas de tabou. Toutes questions, je répondrai. Et j'espère que vous aimez cette vidéo. Aimez, likez, partagez. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bisous. Bye.